Bonjour, c'est SM Gaming. On va vous montrer, enfin je vais vous montrer comment faire un serveur sur iOS, non jailbreaké, et jailbreaké ça marche aussi. Voilà, vous allez aller dans l'App Store. Vous allez rechercher. Attendez, ça charge. Je prends quand même beaucoup de temps à charger, voilà. Voilà. Vous recherchez Lit Server RealMs. Lit Server slash. Vous avez. Ah, voilà, j'y sors ici. Vous téléchargez le tout premier, la version 1 de Johan Land, parce que les autres elles sont fausses, je crois, elles marchent pas très bien. Vous la téléchargez, moi comme vu que je l'ai déjà, vous l'ouvrez, ensuite vous l'ouvrez. Ensuite, vous aurez une adresse IP et un port. Voilà. Dans serveur statut, vous aurez l'adresse IP et le port. On va bien garder ces chiffres. Voilà, moi c'est ça. Ensuite, vous allez dans serveur setting. Si vous avez une map, vous mettez le nom de votre map. Soit vous mettez spectateur, soit vous mettez aventure, soit vous mettez créatif, soit vous mettez survival. Perso, j'ai mis créatif, je suis préféré. Entre amis, c'est mieux un petit créatif. Voilà. Quand vous avez tout ça, vous allez sur votre Minecraft Pocket Edition. Là, ça charge. Vous allez dans nouveau. Juste à côté du avancé à gauche, il y a un petit plus avec une flèche. Vous appuyez dessus. Les chiffres que vous aviez avant, déjà vous mettez votre nom, n'importe quoi. Voilà, terminé. Adresse IP. Vous repartez sur l'application d'avant. Et là, l'adresse IP, c'est 37810. Vous allez la réécrire. Ici. Voilà. Vous allez rajouter point 8. Point CC. Voilà. Terminé. Et là, dans les ports, vous allez mettre les mêmes chiffres sans le point lit, point cc et sans le c. En gros, vous mettez 37810. Et là, quand vous avez tout fini, vous mettez ajouter un serveur. Et là, vu que moi j'avais déjà écrit que ce serveur a déjà été ajouté, et là. Voilà. Et voilà, et ça marche. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un like. Merci.